Bonjour à tous, nous sommes le dimanche 27 août 2023. Ici, nous sommes à Boulogne-Billancourt, pas loin du pont de Sèvres. Donc là, vous voyez la Seine en bas. La Seine, ici à Boulogne-Billancourt. Regardez la beauté de la nature. De l'autre côté, vous avez le jardin Bellini. L'Académie de musique. On va aller en face de l'autre côté. Ici, c'est le sud de Paris. On a un beau soleil aujourd'hui, dimanche 27 août 2023. Bientôt, c'est la rentrée des classes. Donc, les Parisiens, ils pourront profiter des derniers jours de vacances. Du sport ici. Vous avez des voies aménagées pour cyclistes. Au milieu, vous avez les voies cyclistes. La mer, c'est très apaisant. Il y a une belle oxygénation. Ça rafraîchit. Voilà. Donc nous allons vers le jardin. Vous avez des expositions gratuites ici. Il y a le jardin Bellini, visite guidée. Regardez la beauté de la nature. Ça fait rappeler qu'il y a bien un créateur derrière tout ça.
qui sont dans l'eau. T'es en haut pour voir ce qu'il y a. Donc il y a quelques marches. Monter les escaliers, c'est du sport, ça renforce le cœur, ça donne l'oxygénation.
Allez, on continue la visite. Encore 2-3 minutes. Après, ce sera la fin de ce joli reportage à Boulogne. Regardez-moi ça, quelle beauté, magnifique. Il y a un bateau qui arrive, on va essayer de le rattraper si on peut. Voilà. Regardez une navette fluviale solaire en plus. Regardez ça. Bravo l'écologie. Navette fluviale électro-solaire. Voilà, c'est la chance d'avoir ça dans un instant précis. Instant T. La chance d'être là, Tawfik. Et voilà, j'ai pu prendre ces images de la navette fluviale solaire. Voilà, donc là vous avez les panneaux qui indiquent l'autoroute, la 13. Voilà. En espérant que cette vidéo vous a plu. Allez, à la prochaine. Ciao, ciao. Bon dimanche à tous. Voilà, ici c'était les extatiques. Extatiques à Boulogne. La visite. Donc là, on voit des pieds de tomates. Là, il y a du piment.
une autre variété de tomates. Mais il y a eu aussi. Bonjour. Ah oui. Elle a fait une visite guidée. Faites attention. Oui, on m'a dit. On m'a dit déjà. Il y a eu aussi un déménagement. Donc là, il y a les raisins. Hop. C'est un petit jardin qui appartient confié à une japonaise. Ça appartient pas. D'accord. Il y a des variétés japonaises. Donc il y a du tomate. À côté, vous avez à côté de la japonaise, vous avez une portugaise. À côté de la portugaise, vous avez quelqu'un qui est culturellement Afrique du Nord. Une européenne. Voilà, des tonnes de choses. Donc c'est du tournesol en face. Des tonnes de jardin. Le fleur jaune, c'est tournesol. Voilà, donc là. Joli tournesol. En plus, il y a le soleil aujourd'hui. On a un beau soleil à Paris. Faite par une jardinière, c'est joli. Ça, c'est un petit cadeau pour vous. Merci. La lavande. La lavande. Voilà. Et ça, c'est un petit bouquet garni, si vous voulez. Merci beaucoup de la part de l'association. Donc, on a eu un beau cadeau. C'est que des produits naturels. On peut dire que c'est biologique. C'est naturel. Oui, non, naturel. C'est pas traité. C'est pas traité. Un Van Gogh. En tout cas, c'est très joli. Belle décoration. Ça, c'est les composteurs ici. D'accord. Donc ça, c'est l'avenir de l'humanité, tout ce qui est compostage, pour diminuer un peu les déchets. Et ça, c'est un broyeur qu'une jardinière a dégoté dans le centre de la France, côté du Périgord, et qui est revenue dans la région parisienne, pour broyer les hachés menus, les herbes, les liens. Donc là, c'est pour découper tout ce qui est déchets. Ça, je sais pas ce que c'est, on voit pas tout mon état. Les déchets des fleurs et tout ça, les plantes. C'est un truc ancien. On peut dire que c'est 1890. Oula. En tout cas, c'est une machine historique. Peugeot. C'est vrai, hein? Marqué Peugeot, on voit encore la marque. On l'a neutralisé là parce qu'on n'a pas envie de se couper les doigts. Voilà, en tout cas une belle pièce. C'est madame qui nous a fait don. Ma voilà. Tante. Hibiscus. Oui, c'est un hibiscus. Ah bon? Mais c'est pas le même que le tien. Ah oui, non, mais le mien. Tiens, c'est Kerkera, c'est hibiscus différent. Celui-là, il est Syriacus. Syriacus ? Ouais. Non, mais Kerkera, c'est la boisson, c'est ce qu'on va en Inde. Vous êtes indien, vous, monsieur, non ? Origine, oui. De l'Inde. On boit du Kerkera, là, en Inde. Après, moi, c'est Madagascar. Moi, je suis né à Madagascar. Vous êtes un Malgache ? Mais origine de l'Inde, oui. Okay. Après, je sais que la route des épices, l'Inde, c'est très riche. Ouais. Dans l'histoire. Ah, ben oui, ils ont besoin d'épices, hein, et la chaleur. Ils peuvent pas manger notre nourriture aussi. C'est le. Compost. Donc ça se biograde naturellement. Absolument. Donc voilà, donc en fait. Je vais vous montrer des trucs intéressants au fond. Oui, c'est gentil. Allez, donc là, on ça, a des. Ça, c'est notre cabane de rangement des outils qu'on met à disposition. Donc là, on a des murs qui sont là. Ça marche bien chez moi. Moi aussi, ça marche. Mangez avec omelette. Là, c'est des. Tu vas manger une omelette ? Oui, omelette. Là. Ah oui ?
plantes de mûrier. Avec un petit peu de sauce de soja. Vous n'avez pas pris des kiwis là. Tournesol. Variété de tomates. Des kiwis là-haut, mais tout petit. Ah. Des kiwis. Petit kiwi semaine. Des plantes. Des fruits et kiwis qui sont là. Là aussi. On a une dizaine de kiwis. Pas mal cette année. Hein. Tiens, je vois quelque chose ici. C'est une courge. Regardez-moi, c'est des courges. Là-bas, il y a des piments. La jolie rosier. Vous avez des questions ou pas? Non? Ça va? À la cabane, si vous voulez, vous prenez un petit bouquet garni avec un petit sachet de lavande. De l'autre côté. C'est des gros tomates. Ça fait comme une sauterelle. C'est extraordinaire. Grappe de raisin. Hop. Joli tournesol. Du sésame. Un plant de sésame. C'est des malgaches, ils ont fait pousser du maïs. Maïs, oh, ça fait rappeler le pays, ça. Donc des maïs plantés par des malgaches. Non. Non. C'est pas des, ils sont pas malgaches, ils sont indonésiens. Ah, Indonésie, ok. Mais il paraît que les indonésiens et les malgaches parlent la même langue. L'origine, ouais. Madagascar était peuplé par les indonésiens aussi. Ouais. Ouais. C'est vrai. C'est beau, non? C'est très très beau. Là-bas, c'est courgette, c'est ça? Concombre. Concombre, voilà, concombre. Ça, c'est une dame antillaise. Voilà. Là, c'est les îles Antilles. Voilà. Ça, c'est des gombos qui viennent de Mauritanie. Oh! C'est des chrysanthèmes qui des graines que ma fille avait rapportées du Vietnam. Chrysanthèmes, ouais. Graines de Vietnam. Là, c'est des petits piments mexicains. Piments mexicains. Ça, c'est salsa. C'est comme physalis. Ça, c'est fruits. Et ça, c'est piquant. D'accord. Là, c'est de la rhubarbe. Rhubarbe. Là, c'est du réfort. C'est réfort, c'est une plante qui donne une sorte de moutarde en fait, avec la racine. Mmh. Ça, c'est des concombres un peu bizarres qui ont été plantés par un Coréen. Regardez comment c'est fait. Mmh.
tout pousse ici. Ça, c'est un poivrier. Poivrier du Sichuan. Chine. Poivrier. Sichuan. Chine. Elle a des grappes de raisin un peu partout. Ça donne envie de déguster tellement c'est délicieux. Merci. Allez, on va goûter en direct. Voilà. Ça va. Merci. C'est pas doux, mais bon, c'est quand même bien. Ça, c'est des poires de terre. Poires de terre. Des poires de terre. Et ça, c'est physalis. Ça donne des poires, poires fruits ou... Ça donne une racine. Oui. Qui est très, très juteuse, qu'on peut manger cuite ou crue. Mmh. Un peu sucrée, légèrement sucrée. D'accord. Ça, c'est des Christophine. Chayotte. Ça devient gros comme ça. Belle visite. Ça, c'est du curcuma qu'on a réussi à faire pousser. Curcuma. C'est le gros fait. Curcuma, ouais. Les gros soins. Et ça, c'est de l'ail japonais à côté. Il y a l'ail japonais. Et à côté, c'est du curcuma. Merci. Donc, c'est une petite feuille de ail. On va goûter. Ça, c'est la fleur. Ouais. Il y a le goût de l'ail. Il a bien poussé ton ail japonais. Oui. Viens voir. Voilà, les grappes de tomates. Une autre variété de tomates. Là, vous voyez les abeilles qui sont en train de polliniser. Les abeilles en train de polliniser, donc, voilà. Tout a été prévu pour que les plantes se développent. Voilà. Il y a une abeille qui fait son travail. Voilà les miracles de la nature. Vous avez des plantes de menthe, basilic. Regardez la beauté de la nature. C'est cette année, on l'a planté en juin. Citronnelle qui a été plantée au mois de juin. Hop. Ça, c'est mexicain, mais on en trouve partout. C'est avec ça qu'on fait du... Ce qu'on disait tout à l'heure, je me souviens plus le nom. Carcala, Carcadé. Carcadé. C'est d'hibiscus, c'est un hibiscus. Carcadé. Donc ça, on fait de la tisane. Donc carcadé, thé d'hibiscus, on fait de la tisane. Ça, c'est du thym libanais, ça c'est extraordinaire. Ça. Thym libanais. Extraordinaire. Ça. Ça, c'est une variété de choux qu'on mange en salade.
je me souviens plus le nom. Et ça, c'est des ipomées, c'est en manchant en Kongqing. C'est en manchant en Asie aussi. Il les mâche direct ? Il mange la tige et la feuille. Ouais. Ça, c'est des essais qu'on a fait cette année. Ça, c'est la verveine. La verveine citronnée. Verveine. Ça, on les trouve chercher dans les pharmacies. Ouais. Ça, c'est une verveine, mais menthe. Mm-hmm. Ça, c'est mon jardin en mange. Waouh. Il y a un petit concombre, un peu de tomate. Il y a des haricots chinois. Waouh. C'est rigolo, non? C'est de la verveine. Donc là, vous avez menthe. Verveine, menthe. Et ça vient d'Argentine. Argentine. Ouais, ça goûte de menthe. Incroyable, hein? Ça, c'est comme de l'aubergine, ça ressemble. Ce sont des aubergines. Mmh. C'est très difficile à faire pousser les aubergines. Ah ouais, c'est tout petit. Mmh. Un peu comme des lavandes. Non, c'est plus que... C'est une herbe en fait. C'est, je me souviens plus comment ça s'appelle non plus. C'est pas grave. Là-bas, on a des mûriers. Hop. Ouais. Ça pousse partout. Ouais. Là, c'est un peu la fin, les courgettes. Ils ont été attrapés, ils ont attrapé la maladie, ils ont été trop arrosés en fait. Courgettes. Là, je sais pas ce que c'est. Ah, du céleri, ça. Du céleri branche. Voilà. Donc là, on va vous montrer du céleri. Sentez ça. Ça, c'est avec du sel, ça. Des salades. Mmh. Wow. Bon appétit. Ça, c'est de la merde. Il y a plein de trucs, il y a plein de trucs. Tous ces trucs-là, c'est à disposition pour tous les jardiniers, pour tout le monde. Là, c'est pissenlit. Ça, c'est des tomates qu'on poussait toutes seules. Donc, les jardiniers peuvent récupérer ici des plants ? Ouais. D'accord. Ça, c'est pour tout le monde, ça. Mmh. Ceux qui sont à l'extérieur Non. Ceux qui sont à l'intérieur, c'est-à-dire, tout. Il faut demander avant. Ça dépend. Il ne faut pas tout prendre d'un seul coup, quoi, c'est tout. Ok, d'accord. Ça, c'est une grappe italienne qui est là. Et ça, c'est la... Comment je disais? Du basilic. Il n'y a pas de plante qui fait fuir les cafards. Bon, ça doit pouvoir se trouver. C'est un truc ça peut être intéressant. Il faut faire des décoctions avec de la... Il y en a les pigeons qui sont en train de bouffer nos raisins. Donc... Mmh. Ah oui. J'aime bien les pigeons. Mmh. Ça, c'est du persil, persil. Arabe, mais coriandre. Coriandre. Petit chaud. Vous avez les graines qui sont là. Et ça, ça c'est magique. Ça, ça c'est des fleurs de romarin. Vous mélangez les fleurs de romarin avec du gros sel. La fleur, elle va rester fraîche assez longtemps. Et vous allez avoir du sel parfumé romarin pour manger avec. Wow. Sauf si vous n'êtes que végétarien. Mmh. Mais de l'agneau, des viandes poulet. Enfin bon, il faut manger de la viande. Quoi. Mmh. Ouais. Mais on peut manger du poisson, si on veut manger du poisson. Mais autrement, on peut manger la fleur comme ça aussi. Non. T'as un goût, t'as un goût.
Ouais, elles sont belles, hein. Là-bas, vous avez des très jolies roses aussi, sur le côté de la terrasse. Ça va bien, ma grande? Ça, c'est une plante africaine. On enlève les piquants et on mange les feuilles, c'est ça, Bernard? À côté, c'est du carbone. Hein. Ça, ce sont les fleurs derrière. Mais ça se mange pas, ça par contre, le fruit rouge. Mmh. C'est une fleur qui s'ouvre, qui est monumentale, qui est assez grosse, quand même, je veux dire. C'est la fleur de la passion du Christ. Et ça se développe, et ça fait ses majestés très jolies. Faites attention à la marche. Mmh. Voilà. Et ça, c'est le plan du jardin.